Bah oui, c'est moi. On a noté qu'il y avait des personnes qui venaient s'occuper, mais on savait pas qui. Eh bah, c'est moi pendant 2 semaines. D'accord, oui, il a payé ses taxes et tout en avance. Bah oui, il est super gentil. Oui. Ah oui, les... Je fais du gardiennage de ferme. Ah, c'est cool. Bah oui, parce qu'il y a des gens en plus qui viennent braconner ses bœufs et tout ça la nuit. Ah voilà, ouais, je vous avoue que j'étais pas trop là. Ah non, juste un cheval. Non, il y a une carriole. Mais... cheval. Mais faites juste attention car non, ils se souviennent que la ferme est à lui. J'espère bien. Les mots shérif de comté, c'est un mot passe-partout, on est personne qui attaque. Hein. C'est vrai. Même adjoint. Sinon, bon, c'est un petit lien aussi disparu. J'ai dit shérif de comté, ils m'ont dit ah bonjour, ouais. Monsieur le chien, vous allez bien. La ferme est à nous. Hein. Vous voulez venir à Guarma c'est ça. On fait les gardes du port si vous voulez. Je te mettrai en petite fermière. Tout le monde m'a dit que. Choper, braquer, tout. T'appelles comment? Ça se prend une ferme. Le shérif adjoint de Rhodes. Ah, vous êtes shérif. Tout le monde t'a dit quoi? Désolé, monsieur. Non, mais tout le monde m'a dit qu'il était sympa. Ah, il est très sympa, monsieur Kaiser. C'est vraiment un petit vieux gentil, tu vois. Ouais. Un petit vieux gentil de la campagne. Ouais. Nous, non. Il parle comme ça, Astur. Et nous, on range les armes. En plus, si je l'aime bien, ce serait dommage de me mettre mon seul ami à dos, quoi. On va pas vous retenir plus longtemps. C'est vrai. Hier, je les croyais tout seuls et en ce moment, ils ont 2 one-tits sur la tête. Il y en avait 2 one-tits, j'étais tout seul et tout. Puis ils m'ont dit vous regardez pas les affiches, monsieur le shérif? Si, mais vous voulez que je fasse quoi? Je suis tout seul. Bah ouais. Puis, si je vous embarque, vos 2 copains, ils vont pas être contents. Ouais, c'est compliqué des fois. Hein. C'est comme nous, on voit fréquemment monsieur Schneider, hein. Mais bon, il y a des gens dont j'entends beaucoup le nom, mais je les ai jamais vus. Ah bon? Je saurais même pas vous dire à quoi ils ressemblent. Voilà, ah pareil. Bon. Ouais. Juste qu'il faut le ramener. Le ramener au comté quand même. Ouais, parce que nos c'est joli par ici. Ah non, c'est valide sur tous les comptes. Vous allez vous faire Théo par mes modos meufs, vous allez voir. Non, mais ça, ils doivent être au courant. On leur a déjà expliqué 1 milliard de fois à tous les chéris. Pour le coup, même vous, demain, vous le voyez. De toute façon, au nord d'Annesburg, il y a des belles casquettes. Mais je t'avais emmené, je crois, au nord d'Annesburg. D'accord. Tu m'as amené à des cascades, mais t'as beaucoup mis trop. C'est ça. Ça fait une espèce de triple cascade et... Même t'as été dans les buissons parce que t'avais un truc collé dans ta main. Non, mais il y en a, c'est leur métier. Ouais, je m'en souviens. Ouais, voilà, c'est pour ça. Mais bon, je venais d'arriver, donc je me souviens. Moi, je m'en sens très bien. Oui, non, bien sûr. Schneider, je pense... Parce que même nous, on a les Weston Kids chez nous, et pourtant, bah, on essaie de rester très cordial avec eux. Ah bah oui. Nous, ils traînent un peu trop souvent à notre bout par chez nous en ce moment. Ah bon? Regardez, ce soir à Strawberry, il y avait deux Weston Kids. Oui, mais ils sont venus avec nous. Mais nous, ils traînent souvent chez nous, hein. La dernière fois, ils jouaient à chat chez nous. Oui, après, c'est parce qu'il y a Kai. Bah oui, c'est ça. Mais tous les groupes, hein, ils viennent, on n'a jamais eu de problème avec n'importe quel groupe, hein. À part de temps en temps où bah, du coup on fait notre travail, ça leur plaît pas, mais après ils reviennent dans la ville, ils nous discutent faut avec nous, tout se passe travail, bien. Faut faire votre travail, bien sûr. C'est ça, exactement. C'est juste que faut quand même les traiter comme des êtres humains parce que bah, même, c'est si... Ça, c'est ça. Même si voilà, là on déconne, ils sont super gentils alors qu'ils pourraient très bien, foutre la merde. Ah ben moi, je vous dis, hein, y a beaucoup de groupes criminels où du coup je discute avec eux, j'apprends à les connaître. Comment elle va ta femme, comment elle va, tu vois, un truc comme ça, on a pas de problème. C'est pas avec les Boswell que t'aurais eu ça. Ah ouais, bah avec les Boswell, la seule fois où on s'est vu, j'ai mis une balle à Ryan, une balle à Ezekiel. Enfin, 8 balles à Ryan. Ils étaient vraiment connus dans tout le pays, ceux-là. Les Boswell, quand ils demandaient des nouvelles à votre femme, c'était pour vous menacer en général. Ah bah moi, c'est bien, je les ai croisés une fois à Blackwater et ils ont ouvert le feu sur un de mes shérifs, du coup j'ai abattu Ezekiel et Ryan. Oh bah c'est sympa. Ils sont revenus le lendemain dans ma ville pour mettre un coup de pression à mon shérif de comté, ils ont envoyé dégager. Ils sont revenus une nouvelle fois, on les a poursuivis, ils nous ont pointé avec leurs armes. On a attendu qu'ils partent parce que c'était un peu con. Ils ont toujours le même mode opératoire, c'est 2 en avant, 6 en arrière, quoi. Mm-hmm. On a attendu qu'ils partent, on les a essayé de les toper, puis ils ont quitté l'état le lendemain. Ah ouais, d'accord. Voilà. Comme j'ai dit à Emily, hein, fallait juste nous les envoyer à nous, visiblement. Non, je les ai pas connus, je crois. Non mais... surtout qu'on les a chopés, on leur a mis $400 d'amende. Ah ouais? On leur a pris toutes leurs armes. Ah bah oui, bah il fallait bien qu'on les aide à un moment donné. Bon, hein. Du coup, si vous. Je vais passer en banque. Ouais, passer à la banque. Parce que c'est lourd hein, de porter tout ça.
Les chevaux, c'est interdit dans le monsieur dame. Ah, ah bon? Je connais très bien mes décrets. Faut savoir que c'est les décrets sont en cours de révision. Ouais, 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 c'est chiant maintenant. Ouais. Oups, papa, papa, papa. Il y a pas mal de choses qui vont changer. Comme les armes dans le dos et tout. Bah, les armes dans le dos, nous, on n'est pas contre. De toute façon, là. C'était à 5 mètres. D'accord. Oh là là. Apparemment. Bon, je la fais s'asseoir quand même. Ah, c'était à l'époque de Madame Harrington où les chevaux c'était interdit en ville, je crois. Ouais, ils étaient cool, ils étaient coulants, hein. Interdit, ouais. Mais ouais, c'est. Ah, votre banque, c'est en même temps. Oh, non, non, non. Je prends pas une voiture. Daphné? Pas de nouvelles. Daphné ? Oui ? En fait, j'ai compris, je l'ai eu votre télégramme, mais il y a eu un quiproquo. Vous l'avez supprimé ? Non, non. Il y a un de mes télégrammes, on m'a parlé anglais dedans, je comprends pas. Ah bon ? Quoi ? Ah, on m'a écrit yes daddy, je vais envoyer. Ah. Quoi ? Pardon ? Ah. C'est peut-être une jeune dame. Non, alors en fait, c'est parce que je garde toujours mon télégramme le plus récent, c'est toujours Lilia qui me dit « je t'aime papa ». D'accord. J'efface jusqu'à là, en fait. Et en fait, là, elle m'a renvoyé « je t'aime papa » après le vôtre. Et du coup, j'ai cru que c'était mon dernier mail, mon dernier télégramme. Et donc là, j'ai votre télégramme. Voulez-vous qu'on se voit pour que je vous donne votre argent de poche 20h20 ? Moi, j'ai vraiment cru que je l'avais envoyé à Lilia, quoi. Je me suis dit « bon, la boulette ». Non, non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Que quand même, je vérifie un peu s'ils sont pas. Non, non, c'est bon. Du coup, j'ai un « je t'aime papa », « voulez-vous mon argent de poche » et j'ai un « je t'aime fort mon père ». Non. Bah, je vais l'envoyer. Quoi ? Mais c'est quoi tout ce salon ? C'est pas grave. Non, non, mais je dis « je t'aime fort mon père ». Ah ouais, ah, c'est miracle. Bah non, elle me fait rire quand même. C'est une dame à Nidus, maintenant. Ça me démarre. Ce que j'ai compris, en fait, c'est que avant, il y avait des Italiens et... Faut pas me dire, Mystery Joff, qui c'est ou quoi. Ah, d'accord. C'est mieux que je sache pas non plus. Hum ? Vas-y. Vas-y quoi ? À la porte ? De toute façon, Oui. Bah écoute, non, mais je crois que comme on était loin de la porte, je... J'ai pas pensé. Vous savez, je crois qu'on a le seul saloon de tous les comtés où c'est pas un groupe criminel qui gère. Ah ! Non, nous aussi. Bah non, y a nous. Où ça ? À Annesbourg. C'est Madame Vanda maintenant, c'est vrai. Non, non, à Annesbourg, avant, il y avait des Italiens. Avant, c'était MSATI, ouais. Ouais, avant c'est ça. C'est parti. Où suis. Oui, c'est vrai que vous maintenant c'est Madame Vanda. Olchanio Metsati. Et Miroslav qui tiennent mon chien. Buonasera. Comment je sais qui dit ça? Je ne sais pas qui disait ça. Buonasera. Ciao. Ah, moi, mon adjointe elle est italienne. Ah, t'as oublié le. D'accord. Okay. Bah oui, on la connaît. Du coup, on comprend un mot sur 12 des fois. Plus comme envoyer des télégrammes en italien. Je peux pas comprendre. Ah, c'est notre pratique. Ah oui, des fois je décrypte un peu, puis après je l'engueule. Je crois que je suis jamais passé par là. Ouais, faut savoir. Moi non plus, je savais même pas qu'il y avait tout ça. En même temps, je traîne pas beaucoup parce que le bruit m'insupporte. Ouais, je suis habitué. C'est pas pire qu'à l'usine d'huile, hein. Astroberry encore, la cascade elle fait pas mal de bruit, hein. Bah ouais, sauf que moi je l'avais jamais entendu à part il y a une semaine quand on m'a dit y'a un moulin et tout. Ça fait 2 mois que je suis là-bas, j'ai jamais entendu. Mais il était fait quoi, oui. Mais ici on s'y habitue, mais c'est vrai qu'au début c'est très pénible. Putain, ils sont raides les escaliers là, merde. Ouais, ouais, c'est très raide. Ouais. Ça fait le cardio. Ah là, monsieur Duc. Ça va, ça va. Ah ouais, mais quand on a bien bu, c'est compliqué. Ouais, ça tire un peu. Compliqué, hein. Ça m'a donné envie de vomir. Ouais, restez devant. Regardez. Bonjour, monsieur le docteur. Ah, bah le pharmacien. Ah non, il est plus sur le toit. Non, avant il était sur le toit. Il y a 2 jours, il était encore sur le toit. Hein. Du coup, attendez, regardez. Bravo, bravo. Vous faites ça. Vous courez, vous lâchez tout. Lâchez. Non, avant. Voilà.
faut courir, attraper. Ouais, faut l'attraper avant, j'ai du mal. Oui, ça fait mal parfois, voilà. Des fois. C'est juste ici les bandages. Voilà. Ça fait ça partout. Oh. Oh là là. Bande de cons. Ah. Voilà, quand je fais avoir deux cuits. Ça va? Ça va, j'ai mal. Ça va, j'arrête de faire des bêtises. Oh non, bah tu peux continuer hein. D'accord. Arrêtez de tomber dessus. Je vous ai dit que ça fallait être détour. Aïe, 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 attendez, attendez, non, 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 attendez, 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 aïe, aïe, non, vous êtes où? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis embarqué par la maison. Waouh, je me suis fait emporter par la maison, qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourquoi il veut pas me parler, monsieur le doc, j'ai mal. C'est peut-être parce qu'il me parlait à moi. Sauter et lâcher. C'est quoi les bandages? Cette violence. Qu'ils font, les bandages d'où? C'est des bandages d'une autre marque, comme ça vous pouvez avoir plusieurs bandages. Le loup. Je suis mangé là. Vous êtes comme ça, vous pouvez prendre deux bandages normaux et deux bandages de cette marque. Ah, bah non, non, ça veut pas. Ah, normalement, moi ça marche. Oh là là, la violence. Plus ça va, plus ça fait du bruit. Hein. C'est grave. C'est quand ça veut. C'est parce que c'est. C'est le cerveau qui se vide. On va user tous les bandages de l'État. Oui. Oh là là. Aïe, 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 aïe. Par contre, votre doc, là, il est au bout de sa vie, hein. Bah, faut voir qu'il est là toute la journée en même temps. C'est vraiment une attraction. La dernière fois, avec Madame Molly, on l'a fait pendant 15 minutes. Avant, le pharmacien, il était là, tout le temps. Oui, il était là, oui. Il était comme ça. Il attendait toute la journée. Ça, c'est...